Et vous vous rendez compte, on est les premiers sur le YouTube Game à faire des concours de skins en mode super-héros. Mais non, mais il y a Batman. Oh là là. Oh, il va quitter la partie. Mais non. Oh là là. Mais non, il a les mottes. Ok, toi, tu vas aller loin. Oh là 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 là. Et en vrai, là, c'est un des choix les plus difficiles de tous mes défilés de mode. J'aurais pas dû dire ça. Ok, oh là 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 là. Là, c'est vraiment les choix les plus difficiles, clairement. Eh, c'est trop compliqué à départager. Vous savez quoi? Je vous laisse départager, bordel. Mais non, mais je rêve. Celui qui remporte. Eh. La légende raconte que s'il n'y a pas 2000 pouces bleus sur cette vidéo, il n'y aura plus de défilé de skins sur cette chaîne YouTube. Alors ne prends pas le risque et mets le pouce bleu. Yo les tipotes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme les tipotes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale, assez particulière, parce qu'on se retrouve sur le plus grand défilé de super-héros sur Fortnite Battle Royale. En gros, comment ça va se passer? Les gens seront donc une cinquantaine dans la partie. Leur but, avoir le meilleur super-héros, la meilleure super-héroïne ou le meilleur super-méchant. Et il y aura donc trois phases, les tipotes. La phase 1, qui est donc... on fait passer tous les combos, on voit les meilleurs et on disqualifie les pires. Deuxième phase! Là, on va passer dans une phase de 1v1. En gros, il y aura une super-héroïne vs une super-méchant ou un super-héros vs un super-vilain. Et ensuite, on se retrouvera sur la phase finale où il restera plus que 5 ou 6 personnes, les petits potes. Vous, le chat, vous, YouTube, la vidéo, choisira quel est le meilleur combo et passera pour gagner la finale avec 5000 V-Bucks. En gros, il se qualifie pour la finale de 5000 V-Bucks. Donc ça fait extrêmement plaisir, les petits potes. Et aussi, si vous voulez participer, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'explique en fin de vidéo comment s'inscrire, comment tenter de se qualifier pour les 5000 V-Bucks. Et aussi, je vois que... Eh oh, pourquoi il y a que 45% des gens qui sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui regardent mes lives, mes vidéos? Y a un problème là. Go rejoindre la team Fifou. Bon, vous savez quoi? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bon visionnage! Alors déjà, on a Valora. Donc Valora, ah, c'est la pioche de la saison 4, je reconnais. Bah, je l'ai. Donc bien sûr que je la reconnais. Non, construisez pas, s'il vous plaît. Alors, ok, une petite galipette. Et bah, j'ai l'honneur de te dire que t'es là. Toute première qualifiée de mon défilé. Bien, wesh. Oh lolo. Attends, t'as fly, là. Mais attends, mais tu voles. Oh lolo. Tu mets des boosts sur tes chaussures. Eh, disqualifié. C'est injuste, hein. Je rigole. Oh, la boule de cristal en mode, en gros, c'est comme s'il a, tu vois, il a le pouvoir du monde entre ses mains. Ouais, hop. Et bah, moi, j'ai envie de te dire, qualifié. Tu peux y aller, bien joué. Ah, donc là c'est le même, mais sans armure. Oh là là, il est extrêmement stylé. Dommage. C'est Freezox. T'aurais dû mettre un accessoire de dos. Oh, je suis dommage. Oh, j'ai de la peine de t'avoir tué. Et vous vous rendez compte, on est les premiers sur le YouTube Game à faire des concours de skins en mode super-héros. Là, j'ai eu l'idée, en gros, quand j'ai vu le yacht de Deadpool, je me suis dit, mais putain. Mais go faire un concours de skins super-héros. C'est insane, les frérots, non? Hein, les petits potes, je sais pas si vous kiffez, dites-le moi dans les commentaires. Oh, ah, la Game Boy. En mode, tu joues... Ah, tu contrôles ton armure avec ton sac à dos. En plus, t'as un hologramme. Même le revêtement sur l'arme. Mais ouais, mais toi, t'es qualif instant, meuf. Mais ouais, bien joué. Mais non, mais y a Batman. Oh, y a Batman, mais wesh. Oh, les katanas qui passent trop bien. Oh là là, les chauves-souris sur le sol. T'es qualif, bien joué. Non, mais t'es qualif. Non, mais bien, wesh, les chauves-souris, je kiffe. En plus, le petit katana. Vas-y, tu peux y aller. Oméga. Ah, pareil, boule de cristal, mais elle est encore plus stylée que l'autre qualifiée. La boule de cristal qui est là. Oula, il court. Il se croit déjà qualifié, en vrai. Vas-y, tu peux te qualifier. T'as raison. Ok, Deadpool. Oh là là. Oh, le chalumeau en pioche, bien. Oh ouais, pizza, parce que je crois que dans la cinématique, il bouffe de la pizza. Je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est pas une connerie ce que je dis, mais il bouffe de la pizza, je crois, Deadpool. En vrai, mec? Ah bah oui, tu vas faire la cuisine, ça se voit. T'es calife? Bien joué, mon petit Deadpool. Eh, mec, attends, viens là. Eh, ça roule ma poule. Ok, c'est bon, insulte-moi, Deadpool, t'as le droit. Tu peux venir dans les commentaires et... C'est barré. Oh, il va quitter la partie. Mais non. Non, il boude dans son coin, ok. Oh, Tina. Tina, est-ce que ça fait super-héros en vrai? Ouais, non, je trouve ça fait pas encore. Je trouve Tina, ça fait pas très super-héros. Si t'avais mis peut-être un sac à dos un petit peu mieux. Ok, un nouveau bat. Oh lolo! Mais non, il a les mottes. C'est le bat-signal. Ok, qualif. Ok, toi, tu vas aller loin. Bah ouais, bah danse. Bah ouais, tu respectes même pas tes adversaires. Va te qualifier. Ok, donc là, on a Kylo Ren. Kylo. Non, mais poussez-vous en fait. Non, mais Deadpool, ça roule ma poule en fait. Alors, en vrai, Kylo Ren, ouais, c'est un super méchant. Ça peut passer, hein. Super héros, super méchant, c'est pareil, hein. Ouais, vas-y, j'aime beaucoup. Bien joué.
Arrêtez, ah ça c'est vraiment des... Même pas besoin de vérifier qu'ils sont abonnés à la chaîne, ils le sont. Il y a que des filles fous pour s'amuser à ouvrir et fermer une porte. Ok, oh il me fait un petit garde à vous. Et lol, Et c'est bien de respecter son juge hein, quand même. Moi je dis c'est de la corruption hein. Oh là là, tu vas te calmer. Oh Groovy, mais lol. Mais arrêtez les pizzas bordel, tu vas arrêter tes pizzas. J'ai pas faim moi. En vrai je te calife, j'aime extrêmement bien. Après les katanas vous abusez un petit peu. Ok Omega. Oh non, le sac. Oh non, les petits potes. Oh, c'est pas tapant. Mais non. Lui, il m'a MP juste avant live pour dire « Vas-y, je viens dans ton délit filé. J'ai des trucs de la saison 4, je vais tout éclater. » Et par contre, il s'est fait quand même éclater. Et tu vois, il m'a dit en message privé « Mais t'as vu, Stan, on va tout... » Il a le seum de l'univers. Oh, alors toi. Oh ouais, la boule de cristal qui fait référence à ce que t'as dans les yeux. Et comme, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'event, il a perdu un bras au combat, le robot, bah, super-héros, clairement. Du coup, il fait un dab avec une seule main. Du coup, bien, ouais, t'es qualifié. T'as créé vraiment une histoire, donc bien joué. Un nouveau Deadpool ? Non, en vrai. Le Deadpool avec le chalumeau est bien plus stylé. Et du coup, on termine sur cette dernière pour cette première phase de solo, les amis. En vrai, non, ça fait pas très super-héroïne, je trouve. Ok, venez, méfiez-vous, venez, on va en... Oh, ils ont fait un cœur, mais lol. Oh, ça, si ça mérite pas un pouce bleu. Ils ont fait un cœur dissimulé, mais lol. Mais c'est les meilleurs. Posez les illico, genre, sur le verre, comme ça, ça gêne pas. Et puis, let's fucking go, on passe donc simplement dans la phase de 1v1. Donc, en gros, au début, on est en solo. Et là, ça va vraiment être un super-héros VS, donc une super-héroïne. Ou deux super-héros, ou deux Deadpool, tu vois. Donc là, ça va vraiment être un fight entre deux persos à chaque fois. Pour qu'ensuite il reste quelques personnes. Pour ensuite on fait un vote avec vous les gens. Et ensuite on va simplement qualifier la toute première personne en finale. Donc allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, venez mes petits super héros. Let's go baby, venez, venez, venez. En plus c'est de Batman. Oh c'est le Batman en mode musclé et le Batman en mode musclé. Sauf que lui il a une armure. Ok. Ah ouais, c'est au niveau de la tête. Il y a des... Ah ouais, au niveau du masque, il y a quelques petits trucs qui changent. Quel est le plus original, le plus stylé d'après vous? Ah, il se fight en plus. Mais d'où? Mais lol. Non, en vrai, montrez-moi vos histoires si vous en avez, les deux Batman. En vrai, c'est serré parce que lui, tu vois, il a le bat signal, mais en même temps, tu vois, c'est un sac assez classique. Alors que lui, il a le katana, mais il a pas le bat signal. Donc, dites-moi dans les commentaires lequel on départage. En vrai, moi, je suis plus pour celui du bat signal quand même. Je sais pas vous. Je sais pas vous, dommage, bien wesh mon Roku. Je suis plus quand même pour le mec, celui-là quand même. Vas-y, t'es calife. Allez, rentrez, non mais. Et ça, c'est des super-héros après. Ils osent pas venir ici, et après, ils disent c'est des super-héros. Bon, on tire dans le tas, hein. Je rigole, venez. Après, je vais tirer dans le tas, mais lol. Ah, vraiment, faut que je tire dans le tas en plus. Ah, il faut vraiment que je tire dans le tas en plus. Mais mettez-vous à gauche, what? Ok, c'est bon, venez, entrez. Ok, donc on a robot VS. Ah oui, en fait, ils sont pas venus parce qu'ils ont eu trop peur, c'est Deadpool. Mais ça veut rien dire, hein, si vous avez un truc stylé. Ah, il a mis un tag. En vrai, Deadpool, quand même plus classe. En vrai, Aden Bedali, stylé ton robot, mais il manque un petit truc au niveau du sac quand même. Oh là là, Valora, elle me fait un petit garde à vous, quoi. Entre meufs, on se comprend, quoi. Entre super-héroïne, quoi. Ah non, je suis désolée. Putain, il a une... Lui, déjà, l'épée, il a une putain d'histoire. T'es putain de qualifié. J'ai dit trop de fois putain, je crois. Allez, venez. Ah, c'est le roi de la tempête. Ok, donc en gros, tu affrontes le roi de la tempête, en quelque sorte. T'affrontes son fantôme. Ok. Et donc là, c'est Chaos. Ok. Donc l'histoire est pas mal, mais je préfère quand même elle. Parce que le fouet, dès la moelleté. Monte ton sac. Oh ouais, clairement, oh clairement. Oh, ça te va trop bien. Et c'est fini? Il manque plus personne? Oh, j'avoue! Oh bah, il reste plus que... Du coup, on passe directement sur la phase finale, les petits potes. Ok, ok, je suis trop chaud, là, venez. Là, j'ai putain d'adrénaline dans le sang. Venez, vous prenez les deux illicos et vous me suivez. Vas-y, let's fucking go. Oh là là, on a bientôt 500 pouces. Mais vous êtes au courant que je suis obligé d'acheter les danses Deadpool. Enfin, d'abord le... Comment il s'appelle, le scooter? Parce que j'avais dit, comme ça coûte 500 V-Bucks, bah, 500 pouces bleus. Mais après, je vous force vraiment pas. Vous savez très bien que je suis un YouTuber qui ne force personne. C'est juste que, voilà, si vous voulez que je dépense encore de l'argent, bah... Allez-y, non mais hop là. Déjà que c'est Stan qui régale pour vous, en plus, je dois me régaler moi-même. Ok, alors là, du coup, c'est entre ces 5 personnes. En vrai, je vais en éliminer une, et après, c'est vous, la vidéo, le YouTube, les commentaires, qui allez voter. Tout simplement. Le live aussi qui est présent. Il est tombé Batman. Regardez, il s'enjaille. Non mais faites des danses plutôt s'il vous plaît. Ah c'est le grappin 2. Mec, Batman il a vraiment créé une histoire de malade. En vrai ils ont tous une histoire de malade. Kylo c'est celui qui a pas une histoire non plus de...
folle dingue. Et pas non plus le combo le plus dingue de l'univers. Du coup, disqualif. Oh là 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 là. Et en vrai, là, c'est un des choix les plus difficiles de tous mes défilés de mode. En plus, c'est mon tout premier défilé en super-héros. Donc, tu vois, je connais pas trop le thème. Je pense que ça va être assez compliqué. Dites-moi, le chat, ce que vous préférez. Vous allez me suivre, vous quatre, là. On va se mettre dans la zone et on va les laisser choisir. On va laisser la team Fifou choisir. On tombe dans la pigeonnerie. Eh, hey, 1000 pouces bleus, j'achète tout la boutique. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Non, vous avez rien entendu. Hein. Mais non, mais c'est une blague. Hein. Mais non, mais... toute la boutique. Comme on est des super-héros, bien sûr, il nous faut une planque de super-héros. Donc, venez, mes fifous. Entrez, cassez pas, rentrez. Oh là là, regardez la planque de super-héros qu'on a. Oh, trop classe. Faites votre emote qui correspond le mieux à votre skin. Ok, oh là 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 là. Là, c'est vraiment les choix les plus difficiles, clairement. Là, vraiment, j'hésite entre les quatre. Oh là là, mais les mecs, ils ont tous une histoire de malade. Et on peut dire que c'est des gens de la team Fifou, clairement. Même pas besoin de vérifier qu'ils sont abonnés. Ils le sont, ça, c'est sûr. Aïe. Eh, c'est trop compliqué à départager. Vous savez quoi? Je vous laisse départager, bordel. Ah ouais, Deadpool, parce que je crois... Bien, ouais, parce que dans la cinématique, il bouffe de la pizza. Lui, il a plus qu'un bras. Et elle a un sabre en référence à ses jambes. Ah, par contre, dedans, c'est interdit, ma mène. Pas de triche. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Allez, on spam ma team Fifou. Ah là là, là, je fais le Fifou dans le chat, clairement. Ouh, je suis un petit peu trop chaud, là. Ouh lolo, on a le sang chaud. On a le sang chaud, clairement. Résultat. Ok, donc il y a pas mal de Deadpool, pas mal de robots. Celui qui remporte, attention. Oh là là, on a du 40%, du 20%, du... Oh, c'est serré entre Batman et le robot. Et on a un petit peu, beaucoup... On a un peu plus de Deadpool quand même. Oh là là, mais non. Mais je rêve. Déjà, on va éliminer celui qui a le moins de voix. Et du coup, entre ces trois-là, je suis désolée de vous le dire, mais c'est Deadpool. C'est Deadpool, adieu. Deadpool, bien wesh. Hey, applaudissez-le là dans le commentaire. Vous lui dites bien, wesh, t'es devenu un fifou, Deadpool. Et du coup, son pseudo est Ratrox. Ok. Du coup, c'est Ratrox le winner. C'était Deadpool. Bien, wesh, à toi. Dédicace à lui au passage. Je ne force personne à vous abonner, personne à liker et personne à mettre mon code CRA que je n'ai toujours pas pub. Et j'ai quasiment 700 soutiens, je viens de le voir. Alors que je pue pas mon code CRA. Jamais de la vie. Et vous le mettez quand même. Du coup, je voulais vous remercier. Du coup, les fifous, si vous êtes restés jusqu'à là, ça veut dire vraiment que vous avez envie de participer aux qualifications finales. Alors, tout simplement, il faut installer Discord. C'est quoi? C'est gratuit, ça fait plaisir. Ça prend vraiment 5 secondes à télécharger sur un PC, sur un téléphone, sur Mac, n'importe où. Et une fois que tu l'as téléchargé, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Le Discord magnifique, voilà, le Discord de la team fifou. Ensuite, vous descendez juste ici. Vous allez dans inscription PP défilé, c'est celui-ci. Et ensuite, vous faites votre petite demande et voilà. Et c'est moi en personne qui vous accepte, en plus la team Fifou. Donc il faut dire votre âge, votre Epic Games, pourquoi vous avez envie de rejoindre les PP et depuis combien de temps tu me connais. Alors si ça fait qu'une journée ou que tu me connais depuis cette vidéo, dis-le, au moins t'es honnête. Moi je kiffe les gens honnêtes. Bref les petits potes, merci d'avoir regardé cette vidéo.